coup, bon, je m'apprêtais à partir, enfin pas tout de suite, je pars dans 24 minutes au travail. Il est 11h06, nous sommes le 7 juin et ça a sonné, voilà. Et c'est en fait le facteur qui m'a fait signer un colissimo qui me vient de Jackie. Donc j'ai très envie de l'ouvrir, je me suis dit je vais pas attendre, là j'ai un petit peu de temps, je vais l'ouvrir avant de partir. Tant pis pour la vaisselle et tant pis pour le petit rangement du salon, on verra ça après. Parce que j'ai fait d'autres trucs avant, je me suis dit je vais ranger vite fait avant de partir. Bah tant pis, ça sera pas rangé, priorité à ma curiosité. Voilà, donc je vais l'ouvrir vite fait, enfin vite fait, non. J'ai une vingtaine de minutes. Mais j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, dans l'enveloppe à bulles, il y a une enveloppe à bulles. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, j'adore. Oh, vraiment, j'aime beaucoup. Des chaises longues pour août. Ah, j'aime beaucoup tes stickers là. Voilà. Je n'ai pas été chercher le petit mot encore. Alors, légèrement gourmande. Oui, légèrement. le fameux athé coco. Voilà l'athé coco qui est là. Oh, la petite patte de chat, sont mignonnes comme tout. Voilà. Athé coco. Fait par Jackie. Voilà. Trop mignonne, toute rose avec des petites pattes de chat, j'aime trop. Je deviens accro à ces petites ATC, mais le sur le bordel sur ma table, c'est la honte. Ah bah ça. T'as une super maman, mais elle a la chance d'avoir une gentille fille. Va consulter pour tatou, ouais, je sais que t'as raison en plus. Les deux feuilles en carton, c'est des vides poches. Je te laisse faire à ton goût. Oh, t'es trop chou. Ah, je vais pouvoir customiser. Regardez. En plus, c'est très très été. Oh, trop mignon. Mais Jackie, en fait, elle pense toujours à moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours les cercles à faire. Mais j'attends d'avoir la bonne idée. Parce que j'ai pas envie de les gâcher, entre guillemets. Ça, j'ai déjà mon idée. En les voyant, j'ai déjà mon idée. Je sais quelle couleur je vais les faire en plus. En plus, il m'en a mis deux, donc c'est cool. Je vais pouvoir faire, ouais, je pense, une version vraiment coco et une version un peu plus été classique. J'ai mon idée pour la version coco déjà. Déjà, j'ai mon idée. Voilà, donc la carte. Oh, les petites breloques d'été, mais c'est trop, t'es trop mignonne, Jackie, vraiment. Ah, je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà, avec les breloques d'été. Les petites chaises longues, les petites maisonnettes de vacances. Ah, nickel. Et ça aussi, les bateaux, les oiseaux, enfin, quand on ira faire des petits tours à la mer, là. Trop, franchement, Jackie, trop bien. Ensuite, bah, c'est pas arrêté là. Hein. Oh, c'est quoi ça? J'ai bien fait de l'ouvrir avant d'aller travailler. Je vais partir avec la banane. Ouais, j'ai tous encore. Très beau ce ruban. De chez Artemio. Un petit ruban blanc. Vous voyez, avec des petits cœurs. Et des petits trucs comme ça. ah non, c'est très mignon. Merci beaucoup. Oh, c'est cool ça, un zeste de bonne humeur. Eh, c'est trop sympa pour l'été. Tout ce qui est agrumes pour l'été, c'est vraiment bien. En plus, c'est rose. Ça, voilà. Et ensuite, il y a trois petites pochettes comme ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, hop, j'adore. Non mais Jackie, Jackie t'assure. Un vrai plaisir. Oh,
Mais ça va pas. Ça ne va pas la tête. Alors, j'ai... Oh, c'est trop mignon. Les perles, elles sont vraiment belles. En doré comme ça. Des toutes petites perles. Oh, j'ai une idée de ce que je vais vous faire avec ça. Ouais, j'ai plein... Alors là, Jackie... Alors déjà que je déborde d'idées, mais alors avec toi, c'est encore pire. Alors en mat, elles sont très belles aussi. Hein. Oh, elles sont très très belles. Ça fait limite couleur peau. Et elles sont mates. Elles sont magnifiques. Bon. Je sais pas ce que je vais faire avec celle-ci. Mais, je sais pas si j'en ai assez pour me faire un petit bracelet. J'aimerais bien me faire un bracelet avec ça, tiens. C'est très très chou. Très très chou. Merci beaucoup. Oui, un petit bracelet. Oui. Alors, attendez, il faut que je note les idées parce qu'elles vont, elles vont partir comme ça. Mon avis. Alors ça c'est quoi? Oh non, 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 non. Oh non, c'est trop mignon. Eh mais c'est qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh c'est trop trop mignon. Alors ça c'est la marque Cultura, je la reconnais. Et c'est un ruban. Alors je sais pas si avec le plastique vous allez voir. C'est adorable. Attendez, hop, je vais enlever le petit plastique de protection. Voilà. En plus, oh, il y a des tout petits détails, il y a une petite étoile. Il y a une petite étoile dorée, vous voyez, entre les deux bambis. Et c'est un ruban avec des bambis tout roses. Ah, il est trop, trop beau. Oh, trop, trop beau. Il y en a 4 mètres en plus. Et il fait 1 cm de largeur. Et tu m'as également pris de la cordelette, toute rose comme j'aime. Non mais Jackie, là, c'est trop bien. Je vais pas te gronder parce que c'est trop bien. Oh, on dirait qu'il y a encore des petites perles là. En plus, tes sachets sont adorables. J'aime tout. Je peux pas dire qu'il y a un truc, ouais, bof, je sais pas ce que je vais faire avec. J'aime tout ce que tu m'as envoyé. Non mais c'est vrai, des fois il y a des trucs, on va pas se cacher, des fois on reçoit des trucs, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Bon Corinne, tais-toi, t'es trop... t'es trop... Oh là là, oui. Coco va se faire des bracelets. Pour l'été, moi j'aime bien les bracelets. Oh, elles sont magnifiques. Oh, elles sont chouettes. Elles sont trop trop belles. C'est des toutes petites perles. Et là aussi, ah non mais c'est trop mignon. Alors le problème, je veux bien me faire des bracelets. C'est trop, franchement c'est trop beau ce que tu m'as. Alors elles sont spéciales celles-ci. Alors je vais essayer d'ouvrir. Je veux bien me faire des bracelets, mais en fait avec mon boulot c'est que dans les rayons, des fois je me prends les broches et je pète tout. Alors ça me ferait mal au cœur de perdre toutes mes perles. J'ai peur d'ouvrir, ah voilà, comme une sauvage, et de tout faire tomber. Alors il y a marqué papillon. Eh ouais. Ah oui, c'est des... Alors, comment je vais vous montrer ça? C'est une perle, je vais vous la détailler. C'est une petite perle, et en fait c'est comme si qu'il y avait deux perles entre elles collées, sans trou. Mais en fait que le trou, il se trouvait genre au milieu là. Voilà, les deux boules là, comme ça. Et le trou au milieu, parce que je sais pas si vous allez le voir avec mes gros doigts là. Je sais pas si vous allez voir. Je pense pas. Peut-être sur un truc noir. Ah, c'est pas comme si j'en avais par celui-là. Hop. Ah mon siège. Vous voyez mon siège? Il s'est baissé. Oh, je suis toute petite. Attendez, je vais le remettre mon siège. Ouais, des fois il débloque. Ah, attendez. Hop.
pense pas que vous verrez bien. C'est ouais, non, je pense pas. Une double perle en fait. Bon, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué. Ah bah dis donc, t'as envie que je fasse des perles en fait. Hein. Je vais enfiler des perles. J'aime tout ce que tu m'as. Alors j'ai tout mis dans les petites coupelles, regarde. Au fur et à mesure. Alors je vais mettre les perles d'un côté. Je vois pas pourquoi tu as pris du rose. Hein. Vraiment. Moi je vois pas. Hein. Trop bien. Trop top, trop génial, trop mignonne. Trop gentille. Ça fait trop plaisir. Jackie. Bah écoute, bah aujourd'hui donc on est lundi. Demain mardi, bah j'espère recevoir ma nouvelle machine à laver, mais les transporteurs ne m'ont pas contacté. Donc j'ai un peu peur que ce soit pas pour demain. Parce que hier, dimanche matin, bam, une grosse explosion dans ma cuisine. L'odeur de cramé. J'ai tout de suite tout arrêté. Voilà, ma machine à laver n'en pouvait plus. Elle a pété un câble. Elle a grillé quelque chose, je ne sais pas quoi. J'y connais rien, hein, je suis pas mécano. Mais je sais que ma machine. De toute façon, elle commençait déjà à dérailler quand. Au niveau de l'essorage, ça faisait pom 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 pom. Des fois, c'était limite. Et il y avait une légère fuite, à chaque fois que ça essorait, j'avais une légère fuite dans ma cuisine. Donc on mettait des torchons, des machins, des serpillères pour éponger, mais je savais bien que ça n'allait pas durer longtemps. Donc j'en ai recommandé une chez Electrodépôt, voilà, très intéressant. Et bah, j'attends que les transporteurs me contactent parce que j'aimerais beaucoup l'avoir demain. Parce que j'avais en plus, moi en général le dimanche, je fais mes... Pas toutes mes lessives de la semaine, c'est pas vrai. Mais je fais la plupart de mes lessives d'affilée. Puis là, comme il fait beau, ça sèche vite. J'avais les draps. Enfin, on avait changé tous les draps. J'avais plein de trucs à laver. Et, bah, et ben voilà, quoi. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Elle est commandée d'hier. Mon mari l'a dit, normalement, Electrodépôt, c'est rapide. On verra bien. On verra bien les transporteurs. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Jackie, vraiment, t'es un amour. Merci, merci, merci beaucoup. T'as fait du shopping pour moi, là. Trop top. Trop, trop top. Les petites breloques, ça, c'est vraiment mignon comme tout. Ouais. Ouais, j'aime trop les petites tongs là, l'appareil photo, la valise, enfin bon, c'est tout mignon tout ça. Bon allez, j'arrête de m'extasier, je vais partir au boulot. Ah, regarde, un petit sac de plage. Des chaises longues pour août. Si vous saviez ce que mamie me prépare pour août. Je suis encore plus pressée. On n'aura pas la mer juste à côté, mais on aura quelque chose quand même de top, top, top. Je ne vous en dis pas plus. On verra ça en temps voulu. Voilà. 11h19, nickel. Je pourrai faire ma petite tornade rapidos, replier les plaides du canapé, tac, tac, remettre un petit peu les trucs à droite, à gauche. Mon petit déj que je vais ranger, il est toujours sur la table basse. Ouais, 11h20, toujours. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Là je suis aux anges, voilà, je suis ravie. Je vais probablement vous la publier bientôt. Je ne sais pas si j'ai un petit trou. Je parle dans mon planning. Je ne parlais pas d'autre chose. Bref. Oh bon, si c'est bon. Nous sommes donc le 7. Aujourd'hui, vous avez ceci et ce soir, vous avez cela. Ouais, bah, ça sera pas avant, à mon avis, vendredi, hein, je pense. Hein. Oh, je suis surbookée, les filles. Oh là là. Non, mais bon, je planifie, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Non, je pense pas, je vais la mettre vendredi, du coup. Bon, c'est pas grave, vous verrez bien, de toute façon, là vous êtes en train de la voir, c'est qu'elle est publiée. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête à vous dire quand est-ce que je vais vous la publier, parce que j'ai peut-être l'impression que vous êtes en face de moi là et que je vous parle en direct.
Mais non, mais non, mais non. Donc je vais la télécharger et puis je vais partir travailler du coup, hein. Il faut bien aller travailler pour avoir des petits sous et pour pouvoir partir en vacances et remplir le frigo et acheter une nouvelle machine à laver, bien entendu. Des bisous à tous, je vous dis à très très vite et bisous. Et voilà, et bon, patati patata, bye.